En musique. Remerciements à tous nos partenaires et à la ville de Brest, représentée ce soir par Gaëlle Amélie, adjointe à la culture, et Patrick Appéré, adjoint au sport. Information aux parents, vous récupérez les enfants à la fin du spectacle, dans le hall du Macron, dans l'entrée principale. Bonne soirée. Dans la démonstration qui va suivre, les enfants vont démontrer leur maîtrise des chutes. Il n'y a pas de judo possible sans cette maîtrise des chutes, comme le rappelle Maître Jigoro Kano. Dans les notions importantes, il y a aussi celle de la cohésion dans les groupes qui mélange toutes les formes de tempérament.
Thank you.
L'apprentissage de la technique des projections debout est essentiel. Cette technique de projection debout s'appelle le nage no kata. Vous pouvez observer les différentes variétés des projections debout. Nous vous proposons des angles de vue différents pour mieux observer les judokas dans leurs mouvements. Thank you.
Le judo est un sport de combat qui a la particularité d'associer l'échauffement à sa pratique. Les judokas vont mimer des animaux avec leur corps et vous montrer ainsi une gymnastique pratiquée au judo. Ils vont ensuite montrer leur maîtrise des chutes et des projections debout. Thank you.
Thank you.
Vous allez maintenant pouvoir observer les enfants dans leur pratique de osotogari. Osotogari est une technique de judo appelée aussi grand fauchage extérieur. Ce mouvement est réalisé seul, en déplacement, en enchaînement et en contre. Thank you.